That is why I made some noise. Grab confidence and build up my chest. I hold them to reach. Chain up my mind, chain up my soul. Reach out, drive, bring up my goal. To reach. Chain up my mind, chain up my soul. Reach out, drive, bring up my goal. Premièrement, quand j'étais jeune, à 16 ans, j'ai lâché l'école comme bien des jeunes qui avaient hâte d'aller travailler. Donc, j'ai lâché l'école à 16 ans et je me suis en allée dans les industries de la couture. Je ne sais pas si c'est le contexte qui a fait. C'est sûr que je vivais d'une famille pas très riche. Mon père était invalide. Ça fait qu'on était sur l'aide sociale, bien sûr. Fait que là, mes parents avaient pas, pouvaient pas nous payer d'études non plus. Fait qu'on s'entend que si je voulais un auto, je voulais... Bon, ben, il fallait que je travaille. Alors, j'ai commencé à garder des maisons privées. Fait qu'à un moment donné, ben tu veux, à 16 ans, il n'était pas question. Même ma mère voulait pas que je lâche l'école. Elle a tout fait pour que je continue, mais... À 16 ans, je dois t'avouer, le 27 avril, vous allez savoir ma date d'anniversaire, le 27 avril, quand j'ai eu 16 ans, j'ai arrivé chez nous parce que je savais que j'avais pas le droit d'arrêter l'école avant ça. À 16 ans, nos parents peuvent pas nous empêcher. Fait qu'à 16 ans, au matin, j'ai dit à maman, c'est fini, je vais plus à l'école. Est-ce qu'elle avait le choix? Elle ne pouvait pas m'envoyer de force. Fait qu'elle m'a dit, tu veux lâcher l'école, tu vas aller travailler. J'ai dit oui. Je ne travaillais pas quand je me suis mariée, c'est mon mari qui travaillait. Alors, j'ai élevé mes enfants, j'avais eu mes 3 enfants, je restais à la maison. Et un accident de travail que mon mari a eu a dû l'obliger à rester à la maison. Donc, j'ai retourné sur le marché du travail. C'est ça qui m'a ramenée sur le marché du travail. On a décidé de revenir à Thetford Max. Fait que depuis ce temps-là que je suis à Thetford, je suis rentrée à l'industrie Vallière. J'ai toujours resté dans la même industrie pendant 12 ans. S'il y en a qui se souviennent, je vais vous rappeler des souvenirs. Il y a eu un 10 millions qui a été gagné à cette shop-là par un groupe de femmes que je n'étais pas dedans. Et ça l'a beaucoup diminué les filles. Hein. Il y avait 18 filles qui ont pratiquement parti. Hein. Quand tu gagnes 500 000 dans tes poches, ça aide. Fait que ça a été dur pour l'industrie. Là. Jocelyne, elle n'a pas eu ça facile. Parce que peut-être que j'avoue que je serais peut-être encore là, parce que j'étais une fille stable qui reste... Je m'habitue à mon petit monde, puis je reste dans mon petit monde, mais ça l'a changé aujourd'hui. Puis dans ce temps-là, ben l'industrie, elle a fermé. Donc, j'ai attendu pratiquement 2 mois. Et la propriétaire, elle disait que ça allait rouvrir. Mais à un moment donné, je me disais, vas-tu attendre toute ta vie? J'étais rendue à 42 ans. Alors, j'ai dit non. J'ai décidé de retourner aux études. Mais là, on s'imagine que ça faisait 25 ans que je n'avais pas été à l'école, donc il a fallu que je retourne à l'école aux adultes et refaire un diplôme de secondaire 5. Là, je voulais juste faire un petit équivalent, tu sais, ça me contentait. Mais là, en rembarquant dans les études, je me suis motivée. J'avais besoin de ça pour mon estime personnelle. Puis j'étais bonne à comparer qu'à 16 ans, là, que c'est différent quand tu décides de retourner à l'école. Tu te donnes. Oh non, au début, déjà à l'escale, quand ils m'ont fait l'examen pour voir à quel niveau j'étais, puis qu'ils m'ont dit, bien, t'es retombé en primaire 6. Je dis, ah, primaire 6, c'était pas très gros, hein? Ça fait que c'était pas haut, là. Je dis, mon Dieu, ça va me prendre combien d'années avant de monter en secondaire 1? Mais quand tu es là, tu veux, tu y vas parce que tu veux. Donc, ça a bien été. Dans l'espace de 2 ans, j'étais rendue à secondaire 5. Donc, ça monte rapidement. Je sautais des modules, puis je sautais des modules. Ça allait bien, puis j'avais des bonnes notes. L'école aux adultes, c'est le fait que tu travailles à ton rythme. C'est toi, tu as tes modules, tu travailles dedans. Moi, là, ma fille pourrait le confirmer, j'étais là-dedans,
j'arrivais le soir, j'en faisais encore, je faisais des pages, puis là, tu vois, c'est toi qui vas voir le prof, c'est toi qui... Tu sais, c'est toi qui fais ton... T'as une date pour le finir, j'étais toujours en avance. J'ai eu des méritages, j'ai eu 5 méritages, j'ai gagné une bourse. J'aimais ça. C'est ça, comme je te dis, est-ce que c'était parce que j'avais l'âge de la sagesse un peu à 42 ans? Au bout de 2 ans, là, j'ai dit non, je veux pas juste l'équivalent. Là, il a fallu que je me batte un peu parce que j'avais pas de sous, j'avais pas de salaire, donc c'était le clé. Il fallait que je me débatte et que je prouve mes bonnes intentions. Pourquoi que je veux continuer? Eux autres voulaient plus me payer. Là. Ils disaient, garde, t'as ton équivalent, ça va être assez. Non, je veux aller au cégep, moi. Je veux aller au cégep. Alors, il a fallu que je prouve vraiment. C'était plus personnel. C'était devenu un besoin personnel, vraiment pour me gratifier. J'avais, pour reprendre ma confiance en moi, j'avais besoin de ça. Puis mon agent l'a compris parce qu'ils ont accepté de continuer à me payer. Puis que... Aujourd'hui, bien là, c'était les prêts et bourses. Hein, quand tu es rendu au cégep, bien, c'est les prêts et bourses. Donc, j'ai une petite dette sur les épaules, mais c'est pas grave. Je me suis retrouvée au cégep pour une technique de 3 ans en éducation spécialisée que je termine bientôt au mois de mai. Et j'en suis bien fière. Ça fait 5 ans que je suis sur les bancs de l'école. Mais faut pas désespérer. Je suis rendue à 48 ans. Je le cache pas. Retourner aux études, je ne sais pas dans d'autres spécialités ou d'autres cours, mais le cours que je suis en éducation spécialisée, on s'entend que faut travailler sur notre personne. Ce cours-là devrait être, je le dis toujours, devrait être pour tout le monde et non pas juste pour les éducateurs spécialisés parce qu'on suit des cours de psychologie, on suit des cours d'aide, de relations d'aide. Fait que on apprend à travailler sur nous, puis on apprend à se connaître, parce qu'on ne se connaît pas vraiment. Fait que je vous dis que ça change une vie. J'ai appris à me connaître, puis j'aime les gens. Moi, je travaille avec les gens. Ce cours-là m'a changé énormément. On apprend à travailler avec les personnes, puis on apprend à respecter les personnes, puis on apprend à les connaître. Fait qu'on n'apprend pas à juger, c'est déjà le premier but. Donc, c'est bon pour la vie de tous les jours, là, tu sais, dans le fond, là. Ça fait que non, ça m'a apporté beaucoup parce que j'ai eu un gros cheminement. À 40 ans, j'ai divorcé, comme bien des familles aujourd'hui. Donc, le divorce, me retrouver avec mes enfants toute seule, à les élever, ça n'a pas été facile, là. Plus perdre l'emploi, plus retourner aux études. Ça se fait avec un peu de vouloir. Il y a des opportunités, le clé qu'on appelle, il y a des ressources d'aide. Tu sais, ils te payent pour aller à l'école, ils t'aident. Tu ne vas pas à l'école là, puis que tu n'as pas aucun sou. Là, c'est sûr que ce n'est pas la richesse, mais on est capable. On a beaucoup d'aide là, pour retourner aux études. Là. C'est pas infaisable. C'est faisable, puis c'est gratifiant. Moi, je peux vous dire que ça m'a donné beaucoup d'estime de moi. J'ai appris à travailler, j'ai appris à avoir bien plus confiance en moi en suivant ce cours-là aussi. Fait que tu apprends à avoir confiance en toi, ça t'aide dans n'importe quoi, que ce soit dans tes activités de tous les jours, parce que je suis animatrice de gala d'amateurs, je suis chanteuse professionnelle, je vais en profiter pour le dire. Je fais des albums, j'écris mes chansons, je fais de la musique la fin de semaine, donc j'arrête pas. Je travaille avec les personnes âgées la fin de semaine, alors j'arrête pas, j'ai besoin de tout ça. Il est mort en 93. Ensuite, en 98, là, mon frère est décédé en 98 à 37 ans, un accident de moto. Alors ça, c'est un accident pas prévu, donc c'est un drame qui arrive, là, que tu as un téléphone à 10 heures du soir puis que ton frère a eu un accident de moto en 98. Et en 2000, tout de suite 2 ans après,
mon père est décédé. Puis en 2004, ma mère. Donc, dans l'espace de 5 ans, j'ai perdu... j'en ai perdu 3. Puis j'avais perdu mon fils en 93. Donc, t'apprends... on dirait que je me suis faite comme une carapace. Je suis capable d'en parler sereinement, là. Tu sais, je dois dire, les premières années, la première année que j'avais perdu mon fils, j'ai dû aller consulter. Là, on s'en sort pas tout seul, tout le temps, là. Pendant un an, là, je suis allée aux amis compatissants qui appellent, là. C'était vraiment des parents qui avaient perdu des enfants et j'étais là pendant un an de temps. Ça prenait ça, là, parce que je vivais pas, j'existais. Ils ont découvert que c'était héréditaire chez le côté de mon père. C'est un anévrisme au cerveau qui a éclaté. Mais on s'entend qu'à 5 ans, c'était pas normal, qu'ils disaient. Ce qui a fait que j'avais eu un accouchement très difficile à mon premier. Il est venu au monde, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, il y a une petite artère dans son cerveau qui a éclaté, mais qui ne s'est pas paru. Parce qu'il y a 3 artères dans le cerveau, c'est comme ça. Et il y en a une qui a éclaté, qui a brisé, mais les autres ont pris la charge de cette petite-là, qui a fait que ça n'a pas paru. Mon enfant a grandi, 0, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça allait bien, jusqu'à 5 ans, où il a commencé à avoir des petites migraines. Donc, lui avait son anévrisme en lui. Il avait un caillot qui fait l'anévrisme, mais en cause de l'artère, qui était plus mince, qui prenait la charge de l'autre qui avait brisé, bien, elle n'a pas toffé. Qui, normalement, aurait dû, comme mon père, à 70 ans, 60 ans, mais les 5 sœurs de mon père sont toutes mortes de ça, des anévrismes. Donc, c'est héréditaire. Mais à 5 ans, c'est parce qu'il y avait eu ça à la naissance qui a fait que l'artère, elle a éclaté à l'âge de 5 ans. Donc, il a été hospitalisé pendant une semaine et il n'y avait rien à faire. Là. Au bout d'une semaine, ben, il était cliniquement mort. Là. Il restait rien que son petit cœur qui battait. Alors, on était toute la famille ensemble et il nous a quittés le 7 de mai 1993. Je lui ai écrit une chanson, bien sûr. C'était une lettre au début. J'écrivais vraiment ce que je ressentais. Je l'ai appelé « Cœur brisé » et j'en ai fait une chanson. Fait qu'aujourd'hui, j'ai mes 2 filles. Il me reste mes 2 filles. Ma plus vieille, Jessica, est en Alberta. Elle parle anglais. Elle est allée étudier l'anglais là-bas. Elle travaille par là-bas. Ça fait au-dessus d'un an qu'elle est partie, mais elle s'en vient là, dans un mois. Elle vient nous visiter une semaine. Là. J'ai bien hâte. Puis j'ai mon autre, Émilie, qui reste avec moi. Elle est encore aux études. Elle est à l'école des adultes. Finir son secondaire 5. J'essaie bien de la motiver. Elle veut s'en aller ambulancière, donc c'est vraiment un plus. Là. J'aimerais bien ça. Là. Ça vient de la famille. Hein? Mon père jouait du violon, ma mère de l'accordéon, mes frères, ma soeur jouait du piano. Donc, dès l'âge de 16 ans, moi, j'ai écrit ma première composition. J'avais 16 ans. C'est mon frère qui m'a appris mes premiers accords de guitare. Mon frère, d'ailleurs, joue encore aujourd'hui. Il est encore avec sa copine et il fait de la musique de bar à tous les fins de semaine. C'était un rêve de faire un album parce que j'avais plein de compositions que j'avais écrites. Jusqu'à ce que je me marie. Ensuite, j'ai mis ça un peu sur la glace. Hein? Quand tu te maries, tu as des enfants, ton rêve un petit peu prend le bord. J'ai jamais arrêté, j'ai toujours continué à faire de la musique. J'en faisais avec mon mari. Mon mari était musicien, il jouait de la guitare puis tout ça. Fait qu'on s'amusait comme ça, mais pas plus que ça. Jusqu'à ce que je divorce, ça change la vie à 40 ans. Alors, à 40 ans, j'ai décidé de refaire rejaillir mon rêve de faire un album. Et quand ma mère est décédée, ben merci maman. Elle m'a donné un petit héritage, pas énorme, mais c'est ça qui a fait que j'ai pu déboucher et faire mon premier album. Et avec l'aide de M. Mario Mercier, ceux qui le connaissent, c'est lui qui m'a donné ma première chance, qui m'a fait monter sur la scène d'un de ses spectacles. Fait que c'est lui qui m'a fait produire c'est lui qui travaille sur mon album, c'est lui qui joue le violon, c'est lui qui fait les arrangements.
Donc, c'est lui qui m'a donné ma première chance. Alors, j'ai fait mon premier album ici, à Tête Femme Mince, au studio Michel Cloutier. On ne choisit pas son destin, mais on y travaille fort. Ensuite, j'ai fait des festivals, tranquillement, pas vite, avec la complicité de Pierre Guilmette. J'ai connu Pierre Guilmette, j'ai commencé à faire des festivals avec lui et fait chanter Johnny Cash, faisait Joan Carter avec lui. Ça fait que ça m'a donné une grosse chance. Il m'a présenté Denis Champoux, le plus grand poète du Québec qu'on appelle, qui vient de Cap-Rouge. Alors, Palpal Georges Zaz de Fil en aiguille, bien, j'ai fait mon deuxième album avec M. Denis Champoux. Et là, je suis en train de préparer mon troisième. Je rentre en studio au mois de mars, dans la semaine de la relâche. Fait que faut pas que je lâche l'école. Fait que j'ai attendu dans la semaine de la relâche et je vais faire mon troisième album. C'est plaisant. J'aimerais bien ça, que ma carrière soit encore plus, plus évoluée. J'aimerais ça faire plein de festivals. J'aimerais bien ça. Mon rêve, un autre rêve, je vais aller sur la scène de Patrick Normand. Et je vais y aller. Je vais essayer. Quand on le visualise, on dit que ça l'a arrivé. Je suis passée à l'émission Viateur Caron. Donc, la prochaine étape, j'aimerais bien ça aller à elle de Patrick Normand. Qui sait? Il faut être positif. Ils nous apprennent ça, à connaître nos limites. On est capable de dire non sans frustrer l'autre. Moi, j'avais toujours peur dans ma vie, c'était toujours la problématique de dire non, de déplaire. C'est donc bien, c'est difficile de déplaire. T'as peur, fait que tu dis toujours oui. C'est pas correct, c'est pas sain. On est capable de dire non, tout en se faisant respecter, puis en respectant. Puis aujourd'hui, je m'aperçois des fois que je suis capable de dire non, puis « Ah, quand, elle n'est pas fâchée? » Non, mais il y a des façons de le dire. Puis eux autres, ils nous apprennent ça. Qu'on n'apprend pas quand on est jeune. C'est pas l'école ordinaire qui nous apprend ça. Ça prend des cours spécifiques sur le travail de soi qui nous fait apprendre ça. Fait que ce que je peux dire aujourd'hui, à être aujourd'hui ce que je suis là, ma vie aurait totalement été différente à 20 ans. Là. Totalement. C'est sûr. Mon premier stage, je l'ai fait en santé mentale. Ici, à Tête Femme Mince, au Havre. J'ai bien aimé ça. C'est une thématique différente parce que c'est des gens comme vous puis moi, là, des gens de notre âge que tu côtoies tous les jours sur la rue, que c'est pas écrit dans leur front là, qu'il y a une problématique de santé mentale. Fait qu'il faut pas juger, puis ces gens-là, tu apprends à vivre avec eux, puis ils ont du potentiel, puis qu'on s'imagine pas. Puis j'ai bien aimé ça. Mais mon but, moi, c'était les personnes âgées. C'est sûr que j'ai un petit faible pour eux. Fait que le deuxième stage, je l'ai fait en personne âgée à l'hébergement La Voix à Disraeli et le Lac Noir à Black Lake. Et je faisais la résidence Saint-Rosaire aussi à Disraeli. Donc, je me promenais dans les trois centres avec mon accompagnatrice, qu'on appelle. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Alors, j'ai découvert ça, c'est ma place. Les personnes âgées, c'est ma place. C'est là que je veux aller travailler. Ils ont besoin, puis ils manquent beaucoup. Puis notre but à nous, bien, c'est pas juste de faire des activités, c'est vraiment plus profond que ça. C'est vraiment d'essayer de lui garder le peu qu'il lui reste. Et il lui reste pas grand-chose des fois, puis ils sont tout seuls, puis le peu d'autonomie qu'ils ont. Donc, c'est ça qu'on essaye de maintenir. J'adore ça. Pour ça, je dis, je continuerai à l'école. J'aurais pas fini, moi. Je m'en irais à l'université, à être plus jeune un peu. Oui! Hey, c'est vrai, je suis une maniaque de moto. Ah oui, ça aussi, j'ai une moto, ça fait 7 ans. J'ai ma propre moto et je fais de la moto. Et, c'est une libération totale. Quand j'embarque sur ma moto, on roule, comme ils disent, j'envoie de l'asphalte. J'aime ça. Ça, c'est mon autre passion. J'adore ça. Et là, j'ai initié mon nouveau copain. On va faire de la moto ensemble cet été. J'ai bien hâte. C'est vraiment la liberté, le vent dans ton visage, la façon de conduire, c'est un équilibre, hein? c'est pas un quatre roues, là. Puis c'est pour ça qu'il faut toujours conduire une moto, c'est une attention, faut que tu conduises vraiment encore plus pour l'autre et non pas pour toi. Faut vraiment, la moto, c'est... Puis assis en arrière, c'est plaisant,
mais c'est pas pareil comme quand tu as le volant. Moi, je suis une maniaque de mon volant, là, mais c'est sûr que assez en arrière, il y en a qui aiment ça aussi, là. Mais il y en a qui ont peur de conduire une moto, c'est pas... Mais moi, j'adore conduire ma moto, puis je m'assieds pas en arrière. Ouais, c'est un autre de mes passions, à part des animaux, bien sûr, t'as vu. J'ai deux petits chiens. Et mon rêve, ça aurait été d'avoir un refuge aussi. C'est un autre de mes rêves. De sauver sauver les animaux. Fait que, on a plein de rêves. Mais il faut pas lâcher, c'est ça qui nous tient un peu, hein, les rêves. Hein. C'est ça qui nous tient en vie. Moi, je pensais que je me mariais pour la vie. On a été élevés de même. Ma sœur s'est mariée, puis j'ai dit j'avais hâte de me marier pour faire comme ma sœur, ma grande sœur. Et je me mariais, puis j'élevais mes petits, puis c'était ça dans ma tête, là. C'était jamais j'aurais pensé, premièrement, retourner sur le marché du travail. Moi, je suis très conservatrice. Aujourd'hui, j'apprends à changer un peu, mais je ne sais pas, j'aurais pas lâché. J'aurais pas quitté mon emploi pour retourner aux études. Je l'aurais pas quitté. J'aurais trop été peureuse dans le temps parce que j'ai pas le cheminement que j'ai fait là. Mais je suis comme un mal pour un bien qui est arrivé. Je suis quasiment contente que l'industrie ait fermé parce que c'est tout ça qui a fait changer ma vie. Ça a vraiment changé ma vie, de retourner aux études, vraiment. Il faut cheminer. Il faut prendre le bien du mauvais qui t'arrive. C'est ça, la vie. C'est sûr qu'il arrive, il n'arrive des épreuves. Mais en autant que tu sortes de cette épreuve-là avec un plus. Il en arrive même une relation. Quand tu as une relation, j'en ai eu des relations depuis que je suis divorcée. Mais de la relation, si elle fonctionne pendant 4 ans, pendant 6 ans, tu as appris, tu as été chercher des choses. J'en deviens obsédé. Car pendant des années, je ne pouvais respirer, je me sentais étouffée. Mais lui a mis. C'est le monde dit j'ai vécu ça, j'ai perdu 4 ans de ma vie. On ne perd jamais notre temps. Même si ça tourne à rien, on a appris. J'ai eu une relation, j'ai été mariée pendant 17 ans, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des Mais il y a eu des bons moments, j'ai eu mes enfants, il y a eu du positif dans ce que j'ai vécu. Si j'aurais pas passé par ce mariage-là, j'aurais pas eu mes enfants. Ensuite, j'ai eu une autre relation pendant 6 ans. Bon, cette relation-là m'a apporté autre chose. Je suis plus avec cet homme-là aujourd'hui. Je suis d'accord, mais c'est pas juste du mauvais. Il y en a qui vont dire « Oh, j'ai perdu 6 ans de ma vie ». Non, parce que j'ai appris de ces 6 ans-là. J'ai cheminé, c'est pas pour rien que ça arrive dans notre vie. Donc, c'est le message que je veux lancer dans n'importe quoi qui t'arrive, dans... Peu importe, essaye d'aller chercher le bon de ce que tu as appris. C'est pas toujours du mauvais. On a du mauvais, mais il y a toujours un petit quelque chose à aller chercher. Il est toujours là tous les jours. Hein. Le monde ne pense pas, le monde me regarde. Ils ne savent pas ce que... Mais dans ma tête, moi, il est tout le temps là. Hein. Tu apprends à vivre avec ça. Tu ne l'oublies pas, tu ne l'acceptes pas. Ce que je trouve le plus difficile, c'est quand que je vois des grands garçons. Des grands garçons de 20 ans, là. Je vois mon fils, hein, parce que mon fils avait 5 ans et je l'habillais dans le 10 ans. Donc, ça aurait fait vraiment une bonne pièce d'homme. Je suis complice avec un jeune homme de 22 ans, 23 ans, je pense. Johan Fortier, c'est un ami d'école, mais ça serait comme mon fils. Je l'adore. On travaille ensemble, puis on a fait nos études ensemble. Fait que je l'agace souvent parce qu'il mesure presque 6 pieds, tu sais. Puis des fois, je dis, ça serait mon fils, là, je te prendrais, je t'adopterais. Fait que des fois, je trouve ça... j'aime ça, mais je trouve ça difficile pour ça, là. Mais on apprend à vivre avec ça, puis on l'oublie pas, mais c'est ça, c'est des cheminements. Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Il y a toujours de quoi de beau qui arrive. Ça, c'est ma phrase fétiche que j'écris dans mes CV, que j'écris partout. Le meilleur est à venir. Bon, dernière reprise? Alors, ouais.
quand tu me regardes, ça me gêne. Ah ouais, je regarde là. OK. Ah, on est-tu capable de réécouter juste dans ton chose? Oui. Quand on est jeune, on ne pense pas à l'avenir. On rêve de ci, de ça, on ne sait plus très bien. On ne fait rien pour construire notre avenir. Puis un beau matin, on se retrouve devant rien. Il n'est jamais trop tard pour retourner à l'école. Même à 40 ans, il est encore temps. Retourner aux études, non, ce n'est pas facile. Mais c'est gratifiant quand on y pense vraiment. Quand on est jeune, on ne pense pas à l'avenir. On rêve de ci, de ça, on ne sait plus très bien. On ne fait rien pour construire notre avenir. Puis un beau matin, on se retrouve devant rien. Moi j'ai retourné et voyez ce que ça a donné. 5 belles années et me voilà graduée. Je peux vous le prouver et même vous le chanter. Retourner à l'école, ça peut vous rapporter. Retourner à l'école, ça peut vous rapporter. Merci beaucoup. Yes, you wait. I've got my choices. How my life decides why I make some noise. Grab the confidence and build up my chair. I hold them to reach. Chain up my mind, chain up my soul. Reach out, drive, bring up my goal. Do reach. Chain up my mind, chain up my soul. Reach out, drive, bring up my goal.